Yo les potos, c'est Steve, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, la suite de l'aventure avec Hunter. Continue juste après la première vidéo que vous avez vue. Ou si vous ne l'avez pas vue, allez checker sur la chaîne avant de regarder celle-là, ce serait, je pense, un petit peu mieux, même si... Bon, au début, ça change pas grand-chose. Donc on va continuer la suite avec Hunter, on a fini les détections, tout ça. Donc on va repartir, on continue cette aventure. There he is, my number one client. Oh merde. Mais bien sûr, ça fait plaisir de vous voir. Il va quand même nous donner un conseil. Michael, all right? Such a polite young man. You brought him up properly, Mrs. Hunter. Catherine, please. Come on, tell him. Tell me what? As soon as you signed with me, I started putting out the feelers. Seems like you've been making quite the impression. Well, you got me an offer. One or two. For real? I haven't seen a kid coming out of the exit trials generate this much interest in years. Now, young players like you are like gold dust, Alex. There isn't a team in the league that isn't falling over themselves to sign you after you nailed it. I've got some incredible deals on the table here. Just don't go rushing into any decisions, okay? Now, the top teams, sure, they're going to offer you more money, but you won't be getting as much game time. And it's minutes on the pitch that really develop a player. You know, take your time, okay? This is a big decision. Donc voilà, le moment où on doit choisir dans quel club on va jouer cette saison. Enfin, on va commencer cette saison surtout. Donc, si vous avez vu le premier épisode, vous avez vu que mon club favori, j'avais pris Manchester City, mais on va pas les rejoindre maintenant, sinon on jouera jamais. Donc moi, je pense que je vais partir sur Southampton parce que j'avais envie de jouer avec Boufal. Puis après je vois pas quoi d'autre, ça, non. L'Empire avait Shaqiri, Tottenham non, c'est trop gros aussi encore. Watford non. Ah, West Ham, en vrai, ça peut être pas mal, West Ham. Ouais, vous savez quoi, on va partir avec West Ham. Comme ça, on va jouer avec Payet. Je serais bien parti avec Southampton, parce que j'aurais bien voulu jouer avec Fall. Bon, on va prendre West Ham, on aura Payet avec nous. Ok, on continue. Donc là, ça va être un entraînement. You're in the big league now. You have to raise your game. On va dire, faut donner tout ce qu'on a. We'll give this club everything we've got, Mr. Butler. Everything and some more. My advice to you, lads. Work as hard on getting to know your teammates as you do in training. A lot of different personalities on this team, some big egos. Right, as you're all aware, we've got a couple of new boys starting with us today, Alex Hunter and Gareth Walker. That doesn't mean I'm going to be taking it easy on the rest of you. I want you paired off, one-on-one drills. Gallo, you take Hunter. Bernard, you take Walker. Let's see what these boys can do. Buenos dias. He's Lily, I'm Toro. Which one of you is Hunter? Yeah. Boys ready for school. Tu apprendras peut-être quelque chose. I don't know. Maybe you boys will learn something yourselves. Nice. Donc allez, on part pour l'entraînement. Je comprends pas pourquoi il fait ça alors que je suis BU. Je passe pas Lily ou Taureau, je sais même plus. Merde, il est passé là. Oh, je me foire complet. Voilà. Oh, mais je suis nul. Dégage. On a eu un B seulement. C'est pas terrible, mais bon.
Mais pourquoi lui y a pas de bain? Non! Je fais de la merde! Oh là là, je fais de la grosse merde! On a dit qu'on réessayait pas, on réessaye pas, tant pis, on a gagné des abonnés, donc on va continuer. Say, watch Bob. Hey. Hi, Mr. Butler. Yeah. Mm-hmm. Yeah, sure, I understand. Cool, all right. Thanks. Well? Yes! You did it, son! You did it! On peut mettre un point de compétence? On va regarder à quoi on peut les mettre. On va prendre en conduite de balle, au moins on aura déjà plus. On va mettre force pour avoir plus de physique. Allez, on part au match! Alors, à nous de rentrer, impressionner le boss 8,5, tu fais donc beaucoup quand même. Calmer tout le monde, marquer le prochain but. C'est parti. Les dernières consignes de l'entraîneur et la petite tape. Et fais moi un appel, l'auteur. Tiens. Allez, frappe. Oui, les gars. Attention, le deb. Voilà, on a déjà rempli une mission. C'était de marquer le prochain but, donc j'ai un peu tout fait pour marquer avec lui. Non, relève-toi, gardien. Et merde. Cavani, genre, il a réussi à marquer, sérieux. C'est n'importe quoi. Tu peux pas marquer. Ouais, c'est pas grave, on a marqué un but. Ce serait bien qu'on en remarque un pour augmenter la note. Allez, pars. Les 30 derniers mètres. Allez, contrôle. Oh oui. Fais le centre. 8-7, les gars. 8-7. On va remplir le deuxième objectif, les gars. J'ai gagné 11 points en faisant juste une bonne passe, quoi. Pas 11 points, non. 1,1 point, je suis mort. On va dire on y est arrivé. Donc récompense match, on a gagné 280. Et on a augmenté aussi en valeur transfert. On a pris 200 000 à peu près. On a gagné des abonnés. Putain, j'ai autant d'abonnés que ça, je serais heureux. Abonnez-vous, les gars. Abonnez-vous. Donc voilà, les gars, la vidéo va se terminer ici. Likez la barre de like pour que cet épisode, enfin l'épisode d'après, sorte hyper vite. Comme ça, je vous le mets. Vous verrez la suite. Comme ça, on va se dépêcher de reprendre le retard qu'on a pris sur les autres youtubeurs. Même si je pense que vous avez plutôt regardé eux en priorité que moi. Parce que bon, voilà. Moi, je suis rien pour l'instant. Enfin, peut-être que j'y serai jamais, on verra. Donc, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Partagez, commentez, likez et abonnez-vous à la chaîne. C'était Steve. Ciao!